veux commencer cette vidéo, je vous souhaite une heureuse année 2019, que celle-ci vous comble de tous vos désirs et surtout qu'elle vous apporte santé et bonheur. Hello! Ravie de vous retrouver à cette nouvelle année. Alors, je viens avec une coiffure protectrice. Comme mon titre l'indique, j'ai fait des faux locks. Voilà, je compte les garder pendant 2 semaines. Et bien entendu, en dessous, il y a mon chébé, mon beau au chébé, pour me permettre de maintenir l'hydratation cet hiver. Ah oui, parce que franchement, là, il fait vraiment, vraiment très froid. Donc, il faut protéger les cheveux durant cette saison où le vent est hyper sec. Puis par conséquent, les cheveux aussi en pâtiront. C'est une coiffure protectrice que j'ai fait à base du fil acrylique. Voilà, je vais vous montrer le tuto plus tard. Je vous ai montré juste une petite partie pour que vous voyez comment je fais les faux locks, voilà, à base du fil acrylique. Pour les personnes qui seront donc intéressées par cette coiffure protectrice, si vous n'avez pas de fil acrylique, vous pouvez utiliser les mèches, sauf que les mèches assèchent les cheveux et le fil acrylique par contre il permet de maintenir l'hydratation pendant longtemps. Cette coiffure protectrice m'a pris environ 4 heures hein, pour la réaliser, voilà. C'est pas du tout serré, voilà, j'y tiens bien sûr. Donc ça change un peu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes prêt à la faire ou pas. C'est sûr qu'avec une coiffure comme celle-ci, vos cheveux seront à l'abri. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à faire votre demande sur mon groupe L'Univers Napi. Pour qu'on puisse partager souvent. Et puis si vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis également sur Instagram. Je suis sur Facebook où je partage beaucoup plus. Je vais vous laisser regarder le tutoriel des faux locks. Et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous. C'est parti pour la coiffure. J'ai défait ce que j'avais comme coiffure protectrice que j'ai gardé une semaine. Voilà. Avec bien entendu le chébé dessous. Sauf que... je vais vous montrer comment j'applique mon baume chébé. Et puis après, on passe à la coiffure. Il est là, je l'ai présenté sur ma précédente vidéo. Voilà, là, je l'ai refait. Mon baume chama magique. Et donc, pour cela, je vais diviser ma tête en quelques portions. Je pense que je vais tracer au peigne parce que je veux quand même que ma coiffure elle soit jolie. Et c'est un peigne à dents larges. Ça commence au pied du cœur. Du cœur coule un nombre d'accords. Ce corps en rêve sous mon toit. Voilà, je vais faire mon tracé et je vous réviens. Alors ça y est, j'ai fait mes portions. Dans un premier temps, je vais vaporiser avec ma lotion Violette. Voilà, j'ai partagé la recette sur mon groupe L'Univers Napi. Après la lotion, je vais mettre le baume chébé. Vous l'aurez compris, je fais la lock méthode. Donc je mets le liquide, je mets la matière grasse, l'huile. Et après, pour finir, je mettrai le lait d'amande. Voilà, ça c'est un cadeau qui m'a offert par une charmante Reza. Voilà, si tu passes par là, ton lait d'amande est juste top, 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 top. La texture elle est super fluide, super agréable. Donc, je défais. Oh, ça pousse quand même. On va dire que ça pousse quand même. La lotion elle va aller sur le cuir chevelu également. La maison tremble, on reste assis. Assis, ce monde a trop passé. Pas défiler nos pensées. Penser le temps nous amnésie. Danse, 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 c'est la musique avance, danse, danse.
voilà le reste de, du baume. J'ai utilisé quand même une bonne quantité. Maintenant, on va passer au trait avec ce fil, du fil acrylique. Voilà, là j'ai deux bobines, deux pelotes. Ici, j'en ai qui sont colorées, mais je ne sais pas si je vais utiliser les couleurs. Je verrai bien. Là, c'est un fil que j'avais déjà entamé. Et j'aurais besoin également de, du crochet. Le crochet va me servir pour la coiffure. Alors pour la pelote, en fait, il y a des fibres de fil, il y en a 7. Là, il y en a 7. Hein. Je vais choisir la longueur que je désire et puis je vais couper mon fil. J'espère que vous arrivez à voir. Il n'assèche pas du tout les cheveux, il les maintient bien au chaud. Voilà, avec cet hiver, c'est ce dont on a besoin. Donc, hop, ce sont mes ciseaux. Je vais faire une ou deux tresses, je vais vous montrer une ou deux et ensuite je reviendrai vous montrer uniquement quand la coiffure elle sera terminée. Je ne sais pas combien je vais utiliser de quantité. Donc. Alors ça y est, là j'en ai 4. Je vais voir si ce sera suffisant ou pas. Voilà. Jusqu'à présent, il y en a qui me disent qu'elles savent faire des tresses au fil. Alors profitez-en, hein. Maintenant on va... je vais vous montrer. Pour faire des tresses au fil, c'est la chose la plus simple, la plus facile. Bon, là, je vais utiliser une sorte de crochet, mais vous verrez la base. Donc, je prends mon crochet braid. Je le rentre dans ma tresse. Ensuite. Ensuite. J'ai mes deux parties, ma tresse. Je rejoins les deux. Et maintenant, je passe le fil autour. Ça va être aussi simple que ça. Donc, je prends sur le milieu du fil. J'évite de serrer la racine. Et c'est parti pour mes dreads. Pour mes tresses au fil, il faut vraiment éviter de serrer. La maison tremble et je t'écris. La peur nous fixe désenchantée. Chanter l'amour sans le croiser. Croiser la mort pour être en vie. Je rejoins les deux. Pas fier, car la